Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc là on est dimanche, il est un truc comme 11h30. Ce matin c'était genre vraiment full montage parce que hier soir j'étais trop fatiguée quand je suis rentrée. Donc j'ai rattrapé ce matin, ça me décale un petit peu sur ma journée. Donc là Ali il est en mode travaux, il faut vraiment encastrer la plaque. Le problème étant qu'on n'a pas de scie sauteuse ici, on a une autre scie mais vous savez elle roule. Et du coup c'est pas du tout précis, enfin c'est hyper compliqué le pauvre. Donc il utilise une scie mais manuellement. Ça prend trop de temps, je suis trop deck pour lui. J'ai essayé de l'aider un petit peu et tout, mais en vrai, je suis pas d'une très grande aide. Bref, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. Il fait beau. Franchement, ça fait grave plaisir. Et on a pas mal de petites choses à faire, donc écoutez, je vous embarque. Après, je pense que c'est à côté. C'est pas trop loin de l'école. C'est avant l'école. Ah, on t'a regardé. Alors, j'ai fait une presse épique tout du long. Juste à la fin, j'ai fait en mode... Normal. Ouais, juste vraiment le dernier pour que ça tienne. Ah, ici. Là. Ah, si, ça passe, c'est là, ça passe pas là. C'est là. Ah, là, c'est là. Enlevez, alors. Enlevez. Ah, il y a une vis qui se retient, tu guettes. C'est pas là. La petite vis là, bizarre. C'est ça? C'est là, là. C'est là. Ok, bon. Non, je vais te dire. Franchement, matinée assez productive, je suis contente. Là, il est 13h30, il faut absolument qu'on sorte. Inaya a invité à l'anniversaire d'une copine de classe, je suis très contente parce que, en vrai, il faut le dire, mais en France, elle n'avait pas énormément de camarades de classe. Elle en avait une, sauf qu'elle a déménagé, je crois que c'était l'année dernière. Et en fait, depuis, Inaya, elle était très souvent toute seule. Et elle n'était jamais conviée quand il se passait quelque chose et tout. Donc je sais que ça pouvait parfois lui faire un peu de peine. Sauf que là, au contraire, elle est vraiment bien entourée et je suis trop contente. Bref, ça veut dire que là, on va la déposer et après, on va aller à la plage en attendant. Histoire que la NS1 profite également de leur dimanche. Et je vous disais, matinée assez productive. Pourquoi ? Parce que enfin la plaque est encastrée et franchement ça fait plaisir, il était temps. Là il n'y a plus qu'à vernir et acheter les chaises hautes, les chaises de bar. Mais je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. Du coup pour l'instant on en est là, j'avais sorti ça, je pensais que j'allais faire des œufs, sauf que pas du tout. Donc voilà où est-ce qu'on en est, ça c'est des détails qu'on va faire tout à la fin. Après il faut tout vernir, il faut que je trouve un système pour qu'on ne voit plus trop les fils et tout. Mais je suis quand même... plutôt contente. Voili voilou, c'est une bonne chose de faite, hein, genre vraiment une très bonne chose de faite. Bon, du coup, petit tour à la plage, mais en vrai, il y a un peu de vent, donc je vous cache pas, je pense qu'on va pas se baigner. Mais on va se poser quand même et attendre d'aller récupérer Inaya. D'ailleurs, c'était canon là où est-ce qu'il y a l'anniversaire, je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais aller la récup. Mais toujours ma plage favorite. Petit tour au parc, il faisait beaucoup trop froid à la plage, il y avait du vent, donc on a décidé de les ramener au parc pour jouer. En attendant, on allait récupérer Inaya. Tu fais ? Oui, viens mon cœur. Ça, c'est quoi ? C'est un toboggan. Waouh ! Vas-y mon cœur.
À la maison, je suis en train de vider le sac de plage. Là, les enfants passent à la douche. Pour Inaya, c'est ok. Mais là, il reste Laina. Elle est en train de laver Sohan. Donc, on a sorti les pyjamas manches longues. Il fait un peu froid là encore. Et moi, je connaissais pas Maurice sous cet angle. Hein. Donc, bref, j'ai ressorti le pyjama comme ça. Donc, longue manche et tout, un petit peu en polaire avec le pantalon. En fait, il fait pas tant froid, hein. C'est juste qu'ici t'as pas le chauffage et tout. Du coup, bah, à la maison, il fait quand même un peu plus frais. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Genre là, je suis comme ça, j'ai pas froid quoi. Mais t'es plus confortable après la douche avec un long truc. Et du coup, là, ça va être la douche, ça va être le dîner, la petite routine du soir. Donc pour ce soir encore, j'ai pas cuisiné, c'est ma mère. Mais là, faut vraiment que je m'y mette. Surtout que maintenant que j'ai ma plaque, bah, ça va être vraiment chouette. Ah, ça, c'est le livre de Sokolan de Sohan. Franchement, j'avais hâte. Hein. Moi, pour le coup, ça m'avait manqué là de pas cuisiner. Je suis tellement habituée et franchement, c'est vraiment, vraiment une bonne chose de fait. Ça va nous faciliter le quotidien. Du coup, je vais venir allumer une petite LED. En vrai, j'ai une lumière hein, dans la cuisine. Mais ça rend pas aussi bien qu'avec les LED. Les LED, ça a même une petite ambiance que j'aime bien. Genre vraiment. D'ailleurs, si vous vous demandez, je l'avais pris sur Chine, cette LED, ainsi que toutes les autres de la maison. Bon, il commence à faire sombre, mais d'ailleurs, je ne vous avais pas montré, on s'est arrêté à là. Alors, on a ce qu'il faut pour terminer, donc on en a encore trois, vous voyez, un, deux et le troisième qui est juste là. Sauf que on avait un scotch double face, enfin pour le sol là, et on avait acheté deux rouleaux de 10 mètres, on pensait que ce serait suffisant, sauf qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Voilà, c'était pas suffisant, et du coup, on va terminer un peu plus tard, mais là c'est pas possible. On va devoir prendre le reste. Mais sinon, je trouve que c'est trop agréable de marcher dessus. Genre, il est vraiment pas mal. L'effet, c'est celui de Jiffy. Alors, je sais pas, il sera à combien en France, mais ici c'était l'équivalent pour le rouleau de un peu moins de 20, une quinzaine d'euros, je crois. Allez, maintenant, go descendre chez mes parents. Les enfants, ils sont. On dîne ensemble et après, je monterai pour le coucher, la petite routine du soir. Je vais regarder, mais juste donnez mon. Enfin, sortez les pantalons de l'uniforme. Enfin, ils ont été lavés? Moi, je les ai pas mis de la semaine. Tous les jours. Mais t'en as des propres alors? Ouais, j'en ai deux propres. Ok. Attends. Les t-shirts, je les ai. Il y en a un qui est en train de sécher, il y en a un autre ici. Maman, je peux le prendre là-haut? Oui. Thank you.
il est 20h11. En fait, c'est déjà un petit peu tard ici pour coucher les enfants, étant donné qu'on se réveille plus tôt que quand on était en France. Donc là, le réveil, il est à 6h15. On sort de la maison vers 6h55 au plus tard. L'école, elle ouvre à 7h20. Donc nous, on essaye d'arriver plus pour l'ouverture de l'école, ou genre plutôt 30, un truc comme ça, parce que si on sort un peu plus tard, on se prend les bouchons et c'est tous les jours pareil. Du coup, on peut les ramener, les enfants. Enfin, l'école commence à 7h45. C'est quand même un petit peu plus tôt qu'en France, mais on a pris le rythme. Le truc étant que du coup, on les couche plus tôt qu'en France. En France, je les couchais vers 19h30. Il est 20h, donc en vrai, il est tard. Généralement, là, je les couche à 19h, mais je vous cache pas que ce soir, on a pris un petit peu de retard. On a chillé, en fait, on était chez ma mère, on a pris le temps de manger, etc. Et quand je suis remontée, j'ai commencé à préparer les lunchs. Donc là, pour les filles, j'ai mis une banane, une petite compote, un petit gâteau comme ça, parce que en gros, elles ont un petit déj le matin et après, elles ont le déjeuner. Et là, pour le déjeuner, je vais leur faire des petits burgers. Donc, j'ai pris des petits pains comme ça. Apparemment, ils sont très bons. Mais après, les pains à burgers, en vrai, je sais les faire maison. Donc, je vais essayer de faire beaucoup plus de fait maison. Maintenant que j'ai ma plaque, maintenant que tout est en train de se mettre en place, je vais enfin pouvoir cuisiner. Et franchement, ça m'avait manqué. Bref, là, je leur prépare des petits burgers pour le déj. Donc, j'ai fait des petits poulets au air fryer. Donc, c'est tout simple. On dirait du poisson pané, mais en fait, c'est du poulet. Je leur prépare leur burger et je file au montage. Il y a plus que temps de m'y mettre. J'essaye d'être à jour dans mes montages. Le mieux pour moi, c'est de faire du montage le soir. Et comme ça, en fait, je suis tranquille le lendemain. Sinon, faut que je le fasse en journée. Je vous cache pas que ça m'arrange pas. Donc bref, go faire les burgers. Ça va être très simple. Pour vous dire, les filles mangent même pas les fromages tostinettes. Moi, je trouve que ça, c'est la base dans un burger. Mais pas les filles. Si, ça rentre. Oh, nickel. Bon, du coup, je vais faire mon petit soin du soir. Alors là, pour le coup, je fais pas grand chose comparé à ce que je pouvais faire en France. Et pourtant, j'ai ramené absolument toute ma petite routine. Mais on a un rythme pour l'instant. Après, on vient d'arriver, il y a encore 10 000 choses à faire et tout. On a un rythme un peu plus compliqué qu'en France. Hein. On est vraiment tout le temps chaos et tout. Mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Là, c'est juste qu'on court encore à gauche, à droite. Bref, je vous le redis, mais du coup, moi, je suis sur ces produits-là, des produits Revuel. Alors, moi, j'ai découvert la marque en Espagne et ensuite, j'ai réussi à le retrouver en France au magasin Normal. D'ailleurs, à mon prochain retour en France ou en Espagne, je sais pas, je me referai un petit plein. Là, j'ai quand même ramené pas mal de produits et vraiment, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve en tout cas que pour ma part, elle fonctionne plutôt bien. Et en plus, autant le dire, mais le rapport qualité-prix est excellent. Les produits coûtent à peu près 3-4 euros là. Donc là, normal, je crois que c'était plus 4-5 euros. Mais en Espagne, ça tourne autour des 3 euros. Et vraiment, j'aime trop. Je trouve que ça fonctionne super bien sur moi. Et j'ai jamais été déçue pour l'instant, en tout cas, d'un des produits de la marque Revuel. Donc si jamais, les filles, vous pouvez le retrouver à normal, à moindre coût. Et donc là, c'est ce que j'utilise. Je mets uniquement une crème de nuit, bah du coup pour la nuit forcément. Et je mets la crème de jour pour la journée. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle a un SPF 30. Donc ça, c'est vraiment trop trop bien. En vrai, il faut absolument soit vraiment mettre de la crème solaire tous les jours, soit utiliser des crèmes avec des SPF, et pas forcément si vous vivez au soleil en fait. Genre vraiment toute l'année, c'est super important, et ça va faire en sorte que votre peau vieillit moins vite. Donc je trouve que ça, c'est vraiment génial.
Donc bref, voilà pour ce qui est de ma petite journée. Comme vous le constatez, c'était quand même une journée assez simple. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de retour sur l'anniversaire et j'ai pas pu vous filmer l'endroit quand je suis repartie parce qu'il y avait plein d'enfants. Mais c'était un genre de petit domaine, moi je connaissais pas du tout par là-bas. Et c'était magnifique, c'était vraiment très très beau. Ils ont fait ça en extérieur et bref, Inaya a passé un très très bon moment. Donc je suis très contente pour elle. Le cadre est complètement différent et je suis trop contente qu'elle puisse vivre ce genre de choses. Et puis voilà, je m'arrête ici. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas. Ma porte elle s'ouvre toute seule. Et c'est parce que j'ai des fenêtres ouvertes. Enfin, j'ai des petites, des mini fenêtres en haut et après j'ai les grandes fenêtres et ça je laisse ouvert et il y a une moustiqueur dessus. Donc en vrai, il n'y a pas de bête qui rentre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.